Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Go 221, la une des journaux de ce mardi 24 octobre 2023. L'enquête fermeture de l'université Cheikh Diop, l'université otage de la politique. Oui, l'université otage de la politique. Voilà le titre du journal. L'enquête, depuis le jour fermeture des universités, les spectres de juin. Les étudiants en ordre de bataille pour la reprise des cours. Les bulletins de renseignement annoncent une atmosphère chaude. Les amicales de l'université Cheikh Diop dispersées hier. Des arrestations à Djourbel. Des profs ont ciblé. Une nouvelle suspension des cours à la FASEC depuis hier. Oui, une nouvelle suspension des cours à la FASEC depuis hier, nous dit le journal. Depuis le jour. Site quotidien, émigration clandestine vers les États-Unis, le règne de l'arnaque quand la convoitise des billets avions à destination de Nicaragua nourrit l'escroquerie. Oui, il y a le règne de l'arnaque sur l'émigration clandestine vers les États-Unis. Site quotidien, alerte, donc il faut faire attention. Wolf quotidien, guerre de manifeste, lettre ouverte, pétition. Macky divise l'intelligentsia. Oui, le président Macky Sall divise l'intelligentsia, nous dit le journal Wolf quotidien. Le quotidien, dernière mission de la revue, les adieux du FMI, Fonds monétaire international à Macky. La délégation salue le leadership du chef de l'État. Promesse de décaissement de 169 milliards. Oui, promesse de décaissement de 169 milliards. Le journal Observateur, obligation de descendre sur le terrain suivi de chantier. Macky confine ses ministres au Sénégal. Le président décide de la restriction des voyages à l'étranger. Les représentations diplomatiques du Sénégal pour agir au nom de l'État. Oui, pour agir au nom de l'État. Le journal Le Quotidien, prévision démographique 2023 au Sénégal. Nous sommes 18 275 743 de Sénégalais. Le Soleil, coopération Chine-Afrique, focus sur le 16e FOCAC. Oui, focus sur le 16e FOCAC. Vous voyez le président Macky Sall en image avec le président de la Chine. Le journal Temps et Quotidien, selon le président des leaders de Yahweh Cher, Tidjan Dieye, Ousmane Sonko, victime d'un malaise en réanimation malgré son état de santé critique. Le leader de PASTEP veut retourner en prison. Ousmane Sonko, oui, source A, saisine de la Sénat par les avocats d'Ousmane Sonko. La question discutée demain. La famille de Mam Cheikh Mbaye fait bourdonner les oreilles du Premier ministre Amadou Ba, candidat de Benno Boko Yakar, lors d'une audience Vox Populi. Maître Cyril Clédor, Sonko exige d'être ramené en prison. Oui, selon son avocat, Maître Cyril Clédor, Ousmane Sonko exige d'être ramené en prison malgré son état de santé critique. Le journal Les Échos, réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. L'agent judiciaire de l'État a déposé son recours hier. Quant à Ousmane Sonko, il veut retourner à la prison de Sébi Kotane malgré son état de santé qui se détériore de plus en plus. Ousmane Sonko veut retourner en prison. 24 heures, Sonko toque à la porte de Sénat après qu'on lui refuse de lui donner ses fiches de parrainage. Ousmane Sonko toque à la porte de la Sénat. 24 heures, le journal exclusif. Affaire des 21 hectares du village de Mbeye, grand rassemblement populaire, Bambileur sens dessous le maire dans le collimateur. Oui, le maire dans le collimateur. Le journal Antenne quotidien, supposée spoliation foncière à Mbeye. Ah, les populations n'entendent pas baisser les bras. Oui, les populations n'entendent pas baisser les bras face à cette situation. Le journal Réunion quotidien souhaite retourner en prison malgré son état de santé. Sonko crache sur la teranga du pavillon spécial. Oui, Ousmane Sonko crache sur la teranga du pavillon spécial, nous dit le journal Réunion quotidien. Le journal La Tribune, collectif des parrainages. Gumso Bapu mobilise 2700 facilitateurs dans 555 communes. Oui, Gumso Bapu mobilise 2700 facilitateurs dans 555 communes. Le journal Direct News présidentiel 2024, Abdoulaye Sile fait vivre Ziguinchor ce week-end à la capacité de sorte à acquérir de grands pompes de candidats déclarés à l'occurrence Abdoulaye Sile.
Nous nous sommes engagés derrière Abdoulaye Sylla sans le connaître, mais convaincre par ses innombrables actions sociales en faveur des couches vulnérables, défavorisées et par posture patriotique dont il a toujours fait montrer droit. Oui, Abdoulaye Sylla qui fait vibrer Ziguinchor pour la campagne présidentielle 2024. Ziguinchor, le journal Lumanda et réception du centre des données de satellites, le lancement du premier satellite prévu en 2024. Lumanda qui nous dit cette information à plus de 2700 facilitateurs du parrainage Bougangay réussit le maillage national. Oui, Bougangay a réussi le maillage national. Le journal Yor Yor, pré-campagne électorale, mouvement au nord du Sénégal, Amadou Ba accueilli en populaire à Dagana, incident émaillé de coups de feu à Sakal et réquisitoire de feu de la famille Mamcher Mbaye de Lougam. Requête aux fins d'injection de délivrance de fiches de parrainage Ousmane Sonko, suivi à la Sénam. L'indépendance tournée montalienne et Khalifa se rebelle et avertit. Oui, Khalifa se rebelle et avertit. Le 24 étale ses inquiétudes et disqualifie la direction générale des élections. Le journal critique suspicion de favoritisme, contestation du juge électoral, les germes du chaos politique. Oui, les germes du chaos politique, nous dit le journal. Le journal critique, oui, sur la suspicion de favoritisme et la contestation du juge électoral. Le journal Grand Palais refuse à la direction générale des élections. Blocage de cortège, faute d'autorisation, l'opposition râle. Khalifa Sall exprime sa colère et prévient Malick Gakou, dénonce un favoritisme. La défense de Sonko saisit la Sénat. Le journal L'Évidence. Collectif de parrainage, la S2D pose 40 450 parrainages sur la table du président Macky Sall. Oui, la S2D qui pose 40 450 parrainages sur la table du président Macky Sall. Journal Révélation, retour de Karim Wade entre mystère et incertitude. Oui, entre mystère et incertitude. L'IRIGA 2023, l'objectif est de faire de Dakar la ville la plus visitée d'Afrique. Le jour verdict, aéroport international, Blaise Diagne, Abdoulaye Diaye fait décoller l'aviation sénégalaise. Oui, Abdoulaye Diaye fait décoller l'aviation sénégalaise, le grand bond en avant du secteur de l'aviation. Alerte quotidien, première édition de Foseca à Dakar, l'intégration économique en Afrique au cœur des débats. Oui, l'intégration économique en Afrique au cœur des débats. Le journal, le regard. Ousmane Sonko en réanimation après un malaise. Ousmane Sonko, l'ex-leader du PASTEF, Sonko rechute. Oui, Ousmane Sonko rechute. ICAT, les étudiants exigent la reprise des enseignements en présentiel. Oui, les étudiants qui réclament cela. Le journal L'Éveil présidentiel 2024, les priorités du candidat du pur. Oui, les priorités du candidat du pur. C'est à lire dans le journal L'Éveil. Le journal en relief, parrainage pour la présidentielle, Réumi Vok dans les eaux de la Perrière. Oui, Réumi Vok dans les eaux de la Perrière. Une très riche culture auparavant, culture d'Ilas, la circonscription, une importante tradition. Parlons du sport maintenant. Nampalis face au défi Batav. Oui, Nampalis face au défi Batav. Inarrêtable, Tottenham reprend la tête. Lamine Camara s'impose-t-il à Cissé? Oui, Lamine Camara s'impose-t-il à Cissé? Voilà l'interrogation du record. Stat, le Bayern et le Real convoitent un troisième succès. Oui, le Bayern et le Real Madrid, oui, convoitent un troisième succès. Nous dit le journal les stats. Terminons avec son lambe VIP de Pikine en attendant Ume et Boignan. Ama ouvre le bal contre Modulo. Oui, Ama Baldé ouvre le bal contre Modulo. Go 221, la chaîne des leaders. Merci de vous abonner.